Salutations peuple de la Terre, de retour sur Tiny and Big Grandpa's Leftover. J'ai du mal avec celui-là, avec le nom. Dans l'épisode précédent, on est monté tout en haut de la pyramide, presque, puisque là, justement, on va essayer de monter tout en haut. Tout en haut, mais vraiment, quoi. Alors, ça ne marche pas du tout, par contre, ce que j'espérais, là. Ça veut pas bouger du tout. Bon, eh ben on peut pas le faire par là. Est-ce qu'on peut faire un grand truc comme ça, non? Ah! Dit-il en faisant genre il avait compris. Si, en théorie, si je fais ça, ça passe. Non? Non? D'accord. Eh bien non, ça ne passe pas. Je réfléchis. Non, là c'est normal. Ce truc là par contre, on doit pouvoir le... Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut le roqueter? Roqueter. Pardon. Non, est-ce qu'on peut le tirer? Non plus. Même cette partie là, là qu'on a coupée, non. Mais merde, alors comment on fait pour monter? Même principe? Tu le coupes comme ça et... Oh! Oh! Effectivement, ça marche bien comme ça! Oh! C'est fini? Taré lui. C'est cool. Comment je fais pour monter là? Faudrait le découper un peu plus. Il va me tomber sur la gueule encore. Voilà, dégage. Nickel. Là je pense que je peux monter. Presque. Non, ça veut pas. Comme ça. Hop. Je préfère me barrer quand je coupe des trucs parce que... Ok, ça m'énerve. Pourquoi des fois ça marche, des fois non? Dire, qui a décidé que certains endroits c'était plus attaché que d'autres? Non, ben ça m'aide pas plus. Hein. Faudra peut-être virer celui-là en même temps. Ça m'aiderait un peu plus. Nickel. Non, mais j'arrive pas à sauter. Ah, voilà. Non, reste là. Ah! Faut que je réussisse à sauter là sans tomber. Nickel. Hop, on a un étage de plus. Alors, je ne suis pas d'accord avec le fait que je vais mourir. Donc, je proposerai que non. Hein, de base, comme ça. Au premier abord, je te dirais non au premier abord. Là, il y a des morceaux que j'avais déjà découpés. Par où va-t-on passer? J'ai fait le tour, là, plein de fois. Alors, il n'est pas en train de m'envoyer des cailloux, ce qui est très bizarre. Alors, déjà, on va se prendre tout dans la gueule. Ah la vache, je vois plus rien. Oh. Ça c'est de l'escalade ça. Ça c'est de l'escalade. Sur un jeu vidéo. Ça c'était une belle action d'escalade sur un jeu vidéo. Dégage Il veut pas hein. Des fois il faut les couper en plusieurs morceaux pour que ça passe. Ne me demandez pas pourquoi. Celui-là il est rattaché à je ne sais quoi. Et j'ai dû le couper 10 fois avant qu'il passe. Alors bon, effectivement, c'est vrai que ce serait plus simple si j'avais une surface plane. Voilà, nickel. Ensuite, comme ça. Ça dégage. Ça veut pas, encore une fois. Hein. On va le redécouper comme ça, alors. Alors là, bizarrement, ça va dégager. Voilà. Bonjour! Non, d'accord. Ça y est, tu es arrivé. Effectivement. Pour finir écrabouillé par mon immense pouvoir, c'est pathétique, mais je ne suis pas d'accord. Je trouve ça vraiment pas très très lol de ta part. Alors voilà, cette chose ne va pas servir à grand chose. Où est-ce que t'es? Je suis contre. Comment je le gère? Il va où? Ah, là je l'ai pas géré. J'ai failli crever. Nickel. Où est-ce qu'il va? Ah, comment c'est possible? Je pourrais peut-être utiliser plus de pouvoir. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi, je te laisse la vie sauve pour l'instant. Parce que j'ai pas réussi à te tuer. Je remets ta sentence à plus tard. Quand j'aurai restauré mes pouvoirs dans la pyramide. J'ai un petit peu craché sur mon écran, j'ai l'impression. Mais cette fois, tâche de t'activer un peu plus, d'accord? Arrête de me jeter des cailloux dans la gueule aussi. Ouais. Oui, bah c'est mon slip quand même. Mystérieuse pyramide, on y va.
on va dans la mystérieuse pyramide. Et on a terminé ce niveau, hein. D'ailleurs, on est des ouf. On avance. Ah, c'est intéressant, ça. Ça m'évite de me tuer. C'est quoi, 0 ou O? On appuie sur 0 ou O pour recommencer au dernier point de contrôle. Faudrait que j'essaye. C'est classe. Ah oui, ça, c'est la pyramide du slip, quoi. Buried, ça veut dire enterré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la pyramide du slip. Le pouvoir du slip. C'est drôle de petite créature, oui. Vénère le slip. Ouais, c'est ça, elle vénère le slip. Eh, une drôle de religion. Vénération du slip. On vénère le slip. Avec un drôle de roi du slip. En parlant de slip. Oui, elle est big avec ton slip. Quel bel endroit sinistre. Un trône, ça promet. C'est drôle de type, on construit tout ceci. Oui, et le roi du slip garde un œil sur les lieux. Oui, qui c'est le type paléo assis sur ce beau fauteuil? Ah ah, minable. Il a jeté les ossements du roi du slip. C'est inadmissible. Aucun respect pour le roi du slip, quoi. Qu'on est bien. Bon, que dirait... On dirait que le slip a un effet sur le drôle de roi. Oui, ton roi est de moins en moins drôle. La puissance au puissant. Et en fait, c'est un slip qui te rend complètement dingue, quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Argue. Ils sont en train de le tuer. Ah, il les a tous tués. J'ai un peu du mal à comprendre l'histoire, là. C'est-à-dire qu'il y avait un roi du slip qui... J'ai cliqué, ça se trouve, la cinématique était pas finie. J'ai pas fait exprès. Le roi du slip qui est devenu fou. Et du coup, il a tué tous ses sujets. Les sujets du slip. Qu'est-ce que... C'est quelqu'un, ça? Ah non, c'est moi. D'accord. Je sais pas où est-ce qu'on est passé, mais... Ok. Je viens de tomber, hein. Alors, c'était une mauvaise idée. Je me suis dit, ce saut passe. Et en fait, pas du tout. Donc, je suis un peu déçu par moi-même, là. Je pense que je vais aller pleurer. Voilà, parce que c'était ça, au final, que je voulais faire, moi, au départ. Qu'est-ce qu'on fait? On met le slip là-bas? Avance. Non. C'est chiant, ce jeu. Et les je jure, il y a les contrôles. Il me pète les couilles, des fois. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y ait un minimum d'assistance. C'est-à-dire que quand j'avance... ou que je pousse quelque chose, il reste en train de le pousser jusqu'à que je fasse vraiment un grand geste qui veut dire j'ai plus envie de pousser ce machin. Parce que là, en fait, on peut faire tout et n'importe quoi. Je peux me mettre à pousser un truc alors que j'allais normalement juste le bousculer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Parce que si vous voyez pas du tout, c'est pas très pratique. Est-ce qu'on peut sauter par là ou pas du tout? On va le tenter. Non, on peut pas. Mais pas du tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, alors? Parce que rappelons que le jeu est fait à base de... On doit découper des choses. Donc, je pense qu'en fait, il faut qu'on découpe ça. Et qu'on pousse cette partie-là. Pour dire, casse-toi. Et que là, on passe ici. 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 Et que là, on passe je ne sais pas où. A priori, par là. On a juste ce truc-là qui nous gêne un peu, maintenant. Je vais nous tomber sur la gueule.
Voilà, merci. Hop. C'est un bordel ce jeu. C'est un bordel, mais c'est rigolo parce que justement t'avances dans le bordel que tu sèmes. Ok. Je suis pas sûr qu'on puisse sauter. Hein, si ça passe. Merci pour le caillou. Et c'est effectivement. C'est effectivement par niveau. Ce que je voulais dire par là, c'est que le nombre de pierres est effectivement par niveau. Là, il y en a 27 à découvrir dans ce niveau. Et je ne sais pas. Comment on va atteindre cet endroit? En tirant là-dessus, peut-être? Non. En tirant là-dessus, peut-être? Oui. Alors, ce qui me dérange, en fait, dans cette histoire de corde, c'est qu'on est obligé de se déplacer. Et donc, il y a des fois où c'est quand même bien relou. Voilà. Hop. Et comment on va atteindre cet endroit? Ah! Je sais comment on va l'atteindre. On va faire d'abord comme ça. Ça veut pas. Ah. Tu veux toujours faire des angles bizarres, toi, hein? Tu veux pas faire un angle droit comme ça, voilà, comme ça, nickel. Oh non! C'était parfait pourtant. L'autre alors? Ouais, c'est pas mal. Ouais. On va sauter par là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un caillou ici? Ah, il y a une entrée. Il y a l'entrée du slip. Il y a l'entrée du slip. Mais c'est pas de là d'où je viens? Je suis pas déjà passé par là? Ça ressemble grave à ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Ouf! Faut se calmer, hein. Crise cardiaque, là. On en a combien de temps? Parce que le problème, c'est que j'ai un chrono devant les yeux, qui est un chrono qui est censé pas se mettre en veille, et il s'est mis en veille. Et je viens de tomber, mais c'est pas grave, apparemment. Apparemment, il fallait tomber. Il y a des alarmes, des trucs, c'est horrible. Il est peut-être temps de terminer cet enregistrement, du coup. Parce que moi je les entendais pas avec le casque, mais vous avec le micro, je pense que vous les entendez. En plus, je viens de mourir. Donc je pense qu'il est peut-être temps de s'arrêter. Écoutez, on va s'arrêter là, ça sera plus simple. On reprendra à partir d'ici. Qu'est-ce que c'est que cette alarme? C'est un peu relou. Désolé si vous entendez l'alarme, je ne suis pas certain que ça l'enregistre. Que le micro soit assez puissant pour la récupérer. Mais quand même, c'est un vieux bruit de fond, donc... Si vous l'avez entendu pendant tout l'épisode, je suis désolé, moi je ne l'entendais pas avec mon casque. Sinon j'aurais arrêté. Merci d'avoir regardé, cliquez sur le bouton suivant en haut à droite, partagez la vidéo, et surtout, n'oubliez pas, la quiche Lorraine vaincra.